Alors, je vais mettre un peu de volume. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, ça fait longtemps par ici. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, ben, on va faire un petit bout de chemin ensemble, assez rapide. J'espère que vous allez bien, mes amours. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Bon, comme vous l'avez constaté, on a notre frère. On a notre frère du Cambindo. Voilà, que Amek titille tout le temps. Voilà, parce que il faut le rebooster parfois. Vous savez, du Kamaindi avec 27 années, ça fait 27 ans qu'il a, sauté la barrière. Il a sauté la barrière là-bas, là où il a cassé son pied là. Ça fait 27 ans. Depuis qu'il est ici là, même tenir le volant, c'est un problème pour lui, le pauvre. Donc quand Amek Amel le titille un peu là, il va payer une heure de conduite. Donc on a tous vu la vidéo, vous qui êtes mes abonnés, hein. On a tous vu la vidéo dans laquelle il essayait de s'en sortir, de payer une heure de conduite encore, et pour pouvoir prouver à son patron, Amek Amel, que il arrive, il fait des efforts, il arrive, mais ça ne donne toujours pas. Alors du Cambindo. On va refaire le cours de conduite. Parce que ton auto-école que tu peux payer chaque jour là, mieux tu me payes. Du Cambindo. L'auto-école que tu payes depuis là, tu es déjà à combien? Tu n'arrives toujours pas à avoir le permis. Je te montre, c'est avec beaucoup d'élégance. Tu mets l'élégance. Du Cambindo. On t'a vu frustré. On t'a vu coincé comme ça sur ton volant. Tu serrais les fesses. Tu as serré les dents. Tu as serré les fesses. Du Cambindo, c'est pas ça. Hein? Du Kambaindi. On ne sait pas les fesses. Tu sais, un homme, c'est l'élégance. Un homme, c'est l'élégance au volant. L'homme, c'est l'élégance. Hein? Tu vois, tu te mets élégant de façon élégante avec une seule main. Là, je vais te faire la marche arrière. Tu vois, je vais sortir de chez moi en marche arrière. Mais avec toute l'élégance et la finesse. Le volant, c'est la finesse. Le volant, c'est l'élégance. Ce n'est pas frustré comme tu étais coincé, tu as serré les fesses et tout du Cambindo. C'est comment, non? C'est comment avec toi? Tu nous souilles, hein? Mais tu es président des blogueurs. C'est quoi cette histoire-là? Chaque jour que Amek te dit deux mots, Amek et Pasto, dès qu'ils te disent deux mots, tu cours, tu peux payer une heure de conduite. Tu dis au moniteur qui te filme. On voit comment tu es stressé. Tu trembles au volant, tes dents tremblent, tes fesses sont serrées, tu sais les fesses, tu... Non, attends, il y a un problème. L'homme au volant, c'est l'élégance du Cambindo. Bientôt, tu vas faire 30 ans de bain, hein? Le petit permis de conduire te dépasse. Mais il y a un problème. Tu mets de l'élégance, voilà, tu mets de l'élégance, de la finesse. La conduite, c'est la finesse, c'est le charme. La conduite, c'est le charme, c'est la finesse. Ta façon de coach que tu faisais, là, même la Clio. Tu manques le respect. Même la Clio, tu ne peux pas. Tu tiens le volant avec une main, avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance. C'est ça, l'homme au volant, c'est d'abord ça, le charme. Ouais, du Cagnero, on va tout apprendre. Oh, ce Nabo, là, nous fatigue. Regarde comment on recule. On recule avec... C'est-à-dire que tu recules, tu ne touches même pas le volant. Voici mon téléphone. Tu recules sans toucher le volant. C'est de la finesse. C'est de la finesse. Je suis fatiguée de t'apprendre à conduire. Chaque jour, je suis fatiguée du Cambindo. Je suis fatiguée. La dernière fois, j'étais déplacée un poids lourd. Je dis que le poids lourd, je te déplace les 18 roues. Comment? Depuis que tu fais le permis de conduire, tu n'arrives pas à passer le permis. Le moniteur ne veut pas te donner le permis. C'est normal. On t'a encore vu. Même moi, si je suis moniteur, je ne te donne pas ce permis-là. Tu conduis, tu... Donc, cours de conduite. La finesse du Cambindo, la finesse, le raffinement, l'élégance. Un homme au volant, c'est l'élégance. Un homme au volant, c'est la finesse. Un homme au volant est raffiné. Mais tu veux séduire qui commence comme ça? Attends, tournons un peu. Voilà. Donc, du coup, tu sors de chez toi, virgule. Ah, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Tu n'as pas une belle maison. Oh, du Cambindo. Ouais, du Cambindo. Excuse-moi. Ouais, je te clash comme ça. Là, tu vas même sortir de quelle maison? Ouah, du Cambindo. Eh. Donc, tu sors de chez toi, virgule. Attends, je te montre.
Voilà. Là, tu sors en marche arrière. Tu sors en... Regarde bien. Tu sors en marche arrière. Voilà mes mains. Hein. Voilà la marche arrière. Voilà le portail de ma maison. Voilà. Et déjà, il faut avoir une maison du Cambindo. Tu m'as fait comment? Même la maison, même tu n'as pas. Dans le petit chambre, même, sais-tu que du Cambindo, même la finesse. 40 ans de bain, tu es déjà ancien parigo. Les toiles, on les appelle les anciens parigo. La maison, même tu n'as pas. Bon, le cours de conduite que je suis en train de te donner là. Comment sortir de son garage avec une main, avec délicatesse, avec finesse? Même ça là, je te donne le cours là pour rien. Ça ne servira à rien. Parce qu'il faudrait déjà que tu aies une maison. La maison, tu n'as pas. Tu es en colocation dans une chambrette. Regarde. Donc le cours aussi que je te donne encore, voilà un cours cadeau qui ne va servir à rien. Parce que bon, tu auras la maison quand? Tu auras la maison quand pour que tu appliques le cours aussi. Voici les maisons. Quand tu vois, quand tu sors de chez toi, hein, avec la finesse, tu fais la marche arrière sans toucher le volant. Regarde. Tu enlèves le pied sur la pédale. La voiture recule seule. Du Cambindo, regarde ma main. Regarde, l'autre main tient le volant. La voiture recule seule. Regarde, regarde. La voiture est en train de reculer seule. La voiture recule seule. C'est quoi que tu es serré? Tu es serré sur le volant comme ça. Tu serres les fesses. C'est quoi du Cambindo? Regarde, voici l'exemple. Voilà, vois le volant ici là. La voiture recule seule. Tu fais comme ça là. Tu fais le nyanga. Regarde la voiture. Elle est en train de reculer seule. C'est ça la marche arrière. Quand tu sors de ta suite, de ta fabuleuse maison, ouais, du Cambindo, tu vas atteindre le stade de Sikang. Ouais, du Cambindo. Du Cambindo, tu vas atteindre le niveau Sikang. Regarde, quand tu sors de chez toi, tu fais la matinale. Tu tapes 18 correspondances pour arriver à ton travail. Tu prends le RER, après tu prends le métro, après tu prends le bus, après tu tapes à pied. Mon frère, périfrère, tu vas arriver au niveau Sikang. Nous, on est au niveau des marches arrière sans toucher. Voilà la voiture qui recule. La voiture qui recule, voilà ça. Voilà ça. Tu ne touches pas le volant. Quand tu touches, tu frôles le volant comme si tu savais finesse. C'est la finesse. Ce n'est pas que tu es coincé, tu es bloqué. Mais déjà, il faut avoir des maisons pour sortir de chez toi. Regarde. Il faut avoir des belles maisons pour pouvoir sortir de chez toi. Tu vas sortir de ta maison quand? Hein? Tu dors d'abord où? Dans le trou, hein? Tu es dans un trou à rail, tu parles fort aux gens. Oh là là. Oh là là, la conduite. Oh là là. Mais quand on va arriver au niveau, tu sais, à un moment donné, on arrive au créneau. Je suis en train de faire la marche arrière. Et les marches, la marche arrière, on regarde ses rétroviseurs. Tu regardes là et tu regardes les deux rétroviseurs. Ça dit que coup d'œil au rétroviseur. Ça dit que tu jettes un coup d'œil. Pam, rétroviseur. Rétroviseur, c'est les coups d'œil. On donne le coup d'œil au rétroviseur. Mais du Cambindo, moi je suis inquiète, hein. Parce que le stade, quand il faudra faire les créneaux, moi j'ai peur pour toi, hein. Non, moi je t'ai dit. Parce qu'à un moment donné, au permis de conduire, là, à l'auto-école, on va te demander de faire les créneaux. Mais tu vas faire le créneau comment? Tu vas faire, toi, tu peux te garer à Paris. Tu peux te garer à Paris, toi, du Cambindo. Toi, tu peux réussir un créneau. Du Cambindo, tu vas réussir le créneau quand? Comment? Dis-moi un peu. Tu vas faire comment? Attendez, je vais essayer de mettre ça là. Donc du coup, je continue à te parler. Hein? La voiture continue à reculer. Je parle, la voiture recule. Quand tu vois que tu as suffisamment reculé, tu braques le volant. Même quand on braque le volant, c'est avec finesse du camionnet. Tu braques le volant, tu dis au revoir à ta maison. Voilà. Mais tu auras la maison quand? Voilà la maison. Donc tu dis au revoir à ta maison, voilà. Nous qui avons des grandes et belles maisons, voilà. Et tu sors de chez toi et en étant heureuse, c'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu es bien. Voilà, tu sors d'une belle maison, tu avances maintenant. Regarde comment la voiture, regarde mes mains. Voici mes mains, la voiture est en train d'avancer. Voici mes mains. C'est quoi que tu cherches? Tu cherches quoi ici comme ça là au volant? C'est quoi que tu cherches? Hein? L'homme, c'est la finesse. Et après, tu tiens le volant avec une seule main. Une seule main dans toute la finesse possible. Mais du canieré, tu vas atteindre le stade du créneau. Quand on va dire qu'avant, ma prépaté,
Fais le créneau, garde-toi, parce que tu ne vas pas pouvoir te garer. On va te mettre une voiture devant, une voiture derrière. On va dire qu'on va sur le trou ici, Anne. Tu vas commencer à pleurer. Amen, Kamé, viens m'aider. Amen, Kamé, viens m'aider. Bekoma Mougou, viens m'aider. Sinon, je vais perdre le permis. Je n'arrive pas à me garer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas appeler Bekoma Mougou. C'est une autre personne, non? Toi-même, tu connais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès que le moniteur va dire que bon, voilà, maintenant, il est temps qu'on passe, il est grand temps qu'on passe au créneau. Dans la ville de Paris, il faut absolument maîtriser le créneau. C'est-à-dire qu'on te met une voiture ici, une voiture là, tu dois faire le créneau pour pouvoir entrer dans cet espace-là. Voilà. On va te donner la smart. Déjà, tu es nabo. Donc, on va te donner la smart. Oui. La smart, tu connais la smart là, non, c'est ça là qu'il te faut. Même faire entrer la smart entre deux voitures, ça va te dépasser. Tu vas pleurer. Mais quand même. Pasto, viens m'aider. Sinon, il va encore perdre le permis, il va encore louper. Tu pleures. Tu vas atteindre le stade du chrono quand. Regarde comment tu es. Matin, midi, tu te lèves, tu parles des gens. Gros nez, gros nez, là. On sort du même endroit. Tu vois pas le matin quand tu sors. Et le matin quand je sors de chez moi. Tu penses qu'on est pareil? Hein, du Kanyere? Du Kakouachako? Du Kamaïndi? Du Kapourriture? Quand je sors le matin et quand toi tu sors le matin, tu tapes 27 correspondances. Tu vois qu'il y a pas, tu vois pas qu'il y a une différence? Hein? Tu as tchouqué la voiture, tchouqué, serré les fesses. Jusqu'à ce que le moniteur a dû freiner. Quand le moniteur a freiné, tu as fait tchoum. Le moniteur a freiné que boum. Wow, pasteur nous a fini avec. Je veux dire que le moniteur a freiné que... Attendez. Quand le moniteur a freiné, du Cambindo a failli tomber. Attendez, j'arrive. Donc, je vous explique un peu. Dans la vidéo de du Cagnere, dans la vidéo de du Cagnere, on le voit souffrir. Il souffre de douleur. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il veut prouver, il veut prouver à mec, enfin. Du Cagnere, voici ma main. Si tu veux, je roule seulement comme ça, là. Donc, il va prouver à mec qu'enfin, il peut tenir le volant. Le gars, il est parti payer une heure en plus. Le gars, il est déjà à... Du Cambindo est déjà à combien? Je crois qu'il est à la 138e heure de conduite. 138e heure de conduite. Le gars n'est toujours pas prêt. 138e heure de conduite. Que le gars, là. Du Cambindo est à 138 heures de conduite. Mais il n'est toujours pas prêt. Je vous dis, parce que vous, quand on vous parle, c'est que je maîtrise. Alors, je vous explique. Du Cambindo,
allait provoquer Amer Kamer, son frère, son frère qui provoque toujours. Parce qu'il sait qu'au moins Amer Kamer peut lui répondre, peut le caresser. Donc Amer Kamer lui a donné une petite caresse habituelle. Il lui dit que non, petit frère. Et t'as dit que là où tu es là, fais d'abord le permis de conduire, après on va causer. Comme ça, ça te permet de tu vous savez qu'Amer Kamer, tu es en train de donner les bons conseils à Dukambindo. Il dit que non. Comment d'abord par le permis de conduire, après on pourra, tu pourras t'en sortir. Tu pourras faire quelque chose. Ouais, qui a monté le chemin du Japon. Non, donc du coup, Amer Kamer lui dit que non. Fais d'abord le permis de conduire et après tu pourras te développer, tu pourras même aller en province, te battre, tu achètes une petite voiture, même la petite Clio. Tu achètes la Clio et tout ça là. Merde, comme ça la rote que merde. Quelqu'un a 28 ans de ben, il n'arrive toujours pas à tenir le volant. Le voilà qui court. Il peut payer sa 138e heure de conduite. Dukambindo est derrière la 138e heure de conduite. Ça ne donne toujours pas. Donc du coup, il dit au moniteur pour avoir les preuves, pour venir mousser sur Facebook. Il dit au moniteur comme donc, que le moniteur doit le filmer. Maman, la vidéo de ça. Voici Dukambindo au volant. Il tremble. Les dents tremblent. Il tremble. Il est comme ça là sur le volant. Il tient le volant. La tremblote de ça. À un moment donné, il tremble tellement, il n'est pas concentré. Il s'est dit que dans sa tête, il y a Oshiga, il y a Amer Kamer, il y a Pasto, il y a Groné, son ennemi juré. Et dans sa tête, donc quand il pensait que non, Groné doit voir la vidéo aussi. Donc le voilà au volant, en train de trembler. La tremblote de ça. À un moment donné, hein, il avait tellement gros nez dans sa tête. Tellement il avait gros nez dans sa tête que le volant, il veut traverser l'intersection. Boum! Le moniteur freina. Tchoum! Voilà, Dukambindo qui fait tchoum! Dukambindo a serré les fesses, il voulait mourir. Et il voit dans sa mort, hein, le gars a serré les fesses. Merde! Mais Dukambindo a serré les fesses. Il a serré les dents. Mais on le perdait. Norbert dit qu'il n'a pas la capacité de conduire, trop de handicap. Je vous dis qu'on le perdait. Ce n'est pas que c'est le Japap. On le perdait. Ah, c'est moi qui vous dis non. Vous pensez que c'est la blague? On le perdait. Ouais. Hey. Je dis que le moniteur a dû freiner. Le moniteur a freiné pour qu'on ait encore Dukambindo en vie, là où on est là. Il a freiné. Dukambindo fonçait tout droit sur l'intersection. C'est-à-dire qu'il fonçait tout droit comme ça, là. Il fonçait tout droit sur l'intersection. Le moniteur a tchouqué. Le moniteur a même tchouqué. Tchouk, 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 tchouk. Ouais, Dukambindo. Dukambindo, la finesse au volant. Un homme, c'est sa finesse. Quand tu commences comme ça là, mais il te faut cette vie pour avoir de la finesse, peut-être dans une Porsche, dans une Ferrari. Tu vas aller entrer dans les voitures là comment? Si ce n'est pas Amer Kamer qui t'a amené voir même la Ferrari, entrer dans les Ferrari là, faire un petit tour de Ferrari. Mm-hmm. Les grosses voitures, les voitures de sport, les voitures de luxe, les gros bolides là, hein? Les belles voitures de luxe et tout ça là, les Lamborghini. Et tout ça, c'est Amer Kamer, hein. C'est le seul qui peut t'amener à aller faire un petit tour d'une heure. Il te paye même une heure. Parce que Amer Kamer, celui-là, là, il aime trop son petit-là. Ça dit que, on peut tout dire d'Amer Kamer, mais il a trop d'affection pour Dukambindo. Coucou Inès, j'espère que tu vas bien. Donc, Amer Kamer, c'est quelqu'un que, on peut tout lui dire. Mais si Dukambindo tombe ici-là, le premier qui va courir comme ça là, pour aller ramasser son petit, que mon petit si. Mon petit si a tout fait pour que la France résiste, il n'arrive pas. C'est Amer Kamer, le premier. C'est-à-dire qu'il va courir pour aller ramasser Dukambindo. Donc, Amer Kamer reste comme ça, il se dit que ouais, mon petit si, qu'est-ce que je peux lui offrir? Je vais quand même lui offrir un petit tour de Ferrari sur les Champs-Élysées.
Et c'est comme ça que c'est comme ça que du Cambindo entre dans la Ferrari pour la première fois. Pourquoi un mec quand même lui donne un sentiment de qu'il ait au moins un sentiment d'exister? Parce que le petit ne s'en sort pas. Ce nabo là ne s'en sort pas. Moi je vous dis, on est ici là sur les réseaux sociaux, non? Je vous dis que du Cambindo est à la 138e heure de conduite. Ça ne donne toujours pas. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. 138 heures de conduite, ça ne donne pas. Vous voulez que je vous dise encore quoi? Je vous ai déjà tout dit. Je vous ai déjà tout dit. J'ai déjà déplacé les poids lourds ici là, les 18 roues. Je déplace les 18 roues. J'ai déjà dit Cambindo, voici comment on déplace les 18 roues. Même les 18 roues, ils ont la direction assistée. Donc, ça veut dire que c'est avec finesse. C'est avec finesse. Quand nous, les femmes, on déplace les 18 roues, toi, là, même la Smart, même la Clio, tu ne peux pas. Et dès que tu as le permis de conduire, là, nous tous, on va cotiser. Tu vas mettre ton litige. Moi-même, je vais cotiser pour que tu aies une Smart. Une Smart. Parce que tu veux une autre voiture que la Smart, ça ne va pas donner. Tu ne pourras pas faire le créneau. Même avec la Smart, là, il faut que tu fasses le créneau plusieurs fois. On voit comment tu peux entrer entre deux voitures. Oui, du Cambindo. Moi, je ne peux pas cotiser. Tu sais que je chiche. Je ne peux pas donner mon argent comme ça, là. Je ne peux pas. Je ne peux pas donner mon argent comme ça. Donc, on doit d'abord voir comment tu peux entrer entre deux voitures avec une Smart. Voilà. Et tu dois faire le créneau. Le tout n'est pas la conduite que tu es frustré. Tu es coincé comme ça, là, avec les fesses serrées. Oui, il est à la 138e heure de conduite. Il n'est que ça. Toi, tu blagues avec l'histoire, là. Mais cette histoire-là, quand Pasteur vous parle, vous pensez que vous pensez qu'il rigole. 138 heures de conduite, ça ne donne toujours pas. Donc du coup, matin, midi, soir, il a le nom de ses stars dans la bouche. C'est lui qui parle de Shigayame Kamer. Chaque matin, il se réveille au Shigayame Kamer. Et le midi, au Shigayame Kamer, il est scotché. Ce matin, du Cambindo. Aussi, Gamay, quand même, on fait un direct très tard. Donc, ils étaient en train de binda le matin. Ce matin-ci, je vous explique. Demandez-moi le japap. Ce matin-ci, du Cambindo fait sa matinale. Qui est au menu? Aussi, Gamay, quand même. Sauf qu'à l'heure à laquelle lui fait la matinale, aussi, Gamay, quand même, sont en train de binda. C'est-à-dire qu'ils tirent un léger, le léger du matin, là. Ils étaient en train de tuer le léger du matin pour se rendormir. Voilà. Mais pendant ce temps, du Cambindo s'est endormi avec leur direct hier. Il a découpé jusqu'à le matin. Le matin, il se réveille. Il fait sa matinale. Oshigayame Kamer. Oshigayame Kamer. Oshigayame Kamer. Oshigayame Kamer. Oshigayame Kamer. Je dis que non. Du Cambindo, franchement. Moi, je ne sais plus quoi faire de toi. Hein. Franchement, moi, je te dis ça. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui, chez les Ivoiriens, on dit tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. C'est ça, tu sais ça. C'est-à-dire que tu dis tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Oshiga et Amer Kamer, c'est un couple qui t'exaspère. C'est un couple qui t'énerve. Mais si le couple-là t'énerve tant, comment tu dors avec eux, tu te réveilles avec eux, tu tournes avec eux, tu vis avec eux? C'est-à-dire que tu es omnibulé par ce couple. Tu es fasciné par Amer Kamer. Amer Kamer, c'est ta star. Oshiga, alors, rien que le seul fait que Amer Kamer ait fait en sorte que... le seul fait que Amer Kamer ait fait en sorte que Oshiga soit avec toute la visibilité qu'elle a en ce moment-là. Mais rien que tu as vu Oshiga, elle a mis en titre que je m'en vais en studio. Mais dès que elle a mis le titre, je m'en vais à ce jour, tu as couru. Et t'influences, c'est des influenceurs justement. Puisque tu es sous leur influence. Dès que Oshiga rentre en studio, toi-même tu rentres aussi en studio. Tu as dit que oui, je vais aller en studio, je vais aller chanter. Toi, tu peux aller en studio. Du Cagnéret, tu peux aller en studio. Du Cagnéret, regarde comment on prend un rond-point. Rond-point sans ce giratoire. Tu es déjà arrivé à ce niveau-ci. Hein, du Cagnéret, du Kakoua, coucou. Tu as vu le rond-point, non? Rond-point sans ce giratoire. Tu as vu le rond-point, non?
Tu vois, même le rond-point, prend avec une seule main. Hein. Tu n'es pas obligé de mettre là. Voilà ma deuxième main ici, là. Voilà ma deuxième main ici. Donc, tu n'es pas obligé de faire avec deux mains. Comme tu es coincé, là. Tu coinces tes fesses. Tu sais tes fesses. Tu sais les fesses. Tu sais les dents. Tu sais les dents. Tu sais les fesses. Tu vas conduire quand? Tu vas conduire quand? 28 ans de bain. Tenir le volant te dépasse. Et tu viens parler aux gens. Toi, tu vas conduire quand? On t'a vu là avec les fesses serrées. Tu sais les fesses. Le moniteur a tchouqué, tchoup. Le moniteur a dû tchouquer. Bah, tu partais droit dans le mur. Alors que tu t'enfonçais dans une intersection. Alors que tu partais mal. Tu étais mal parti. Heureusement que Pastor a bien vu ça. On a vu l'intersection, non? Tu étais mal barré. Ouf. Et tu viens parler aux gens. Quand toi tu parles, on croit que c'est quelqu'un. Tu étais mal barré dans l'intersection. Tu es parti comme ça, là, comme tellement tu pensais que Gros-Né va voir la vidéo aussi. Ouah, Gros-Né va voir la vidéo aussi. Ouah. Hey, Amé Kamé aussi avait donné les coups de conduite à Djikambindo. C'est grave, oh, c'est grave les coups de conduite, oh. Madame, Mamie Soko, merci de partager, merci de partager, merci pour les partages, merci, oh, partagez la vidéo, c'est grave. Donc, tout le monde est en train de se battre. Djikambindo, tu vois comment on t'aime? Tu vois comment on t'aime, Djikambindo? Nous tous, on est décidé maintenant qu'on va te donner les coups de conduite, là. Non! 138 heures de conduite, c'est trop! 138 heures, c'est trop! Tu as vu? Nous tous, on est en train de se battre. De comment Mougou? Amé Kamé, plus moi-même, on va se battre par amour pour toi. Ouais, Djikambindo, tu sais qu'on t'aime beaucoup, non? Ouais, oh. Ouais, bah, le président des blogueurs de Kouaban. Oh là 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 là. Fali, poupa de Kouaban. Tu sais qu'on t'aime, non? Tu vas conduire de gré ou de force. Eric Djikambindo, dès que tu passes l'examen, nous tous là, mets le litchi. Mets le litchi que j'ai reçu mon examen, je veux ma smart. Dis que je veux ma smart, c'est tout. Donc, dès que tu réussis, tu dis que je veux ma smart. Voilà. Donc, comme ça, on t'achète ta smart. Parce qu'en dehors de la smart, on ne voit pas une autre voiture que toi, tu peux déplacer. Hein? Franchement. Et la smart, là, c'est pas cadeau. Hein? C'est pas donné. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle sur la toile? On a quoi comme Japapé? Merde. Le commissaire Junior Zogo. Massa. Le commissaire a fini avec Élise Battan. Hey! On dit que le clash est le clash. Massa. Ça dit qu'il l'a retroussé. C'est moi jusqu'à dire qu'il est sorti de groupe de Fang Betty là. Non, et Kang Fang Betty. Oui, je sais que la smart coûte cher, je le sais. Mais il est obligé, Inès, c'est ça. Je sais que la smart coûte cher, c'est pour ça qu'on doit mettre un litchi. Il est obligé d'acheter une smart d'occasion. Mais il faut reconnaître que la smart est la seule voiture qui a le gabarit nécessaire, qui a le gabarit suffisant pour Djikambindo. Il ne peut pas, même la Clio est trop grande. La Clio est trop grande pour Djikambindo. Je vous dis que Djikambindo, son niveau, c'est la smart. Son niveau, c'est la smart. Comment tu dis que la smart est très chère? Oui, la smart, c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle est moins chère. Non, la smart est bien chère. Mais on est obligé de se battre pour lui acheter la smart comme voiture de départ parce que on se dit que pour un nouveau conducteur, il fera moins de dégâts avec la smart. On n'a pas le choix. Il aura sa smart. C'est ce qu'on va faire. Oui, 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 Inès, on n'a pas le choix. Toi, tu fais comme si on avait le choix. On n'a pas le choix du tout. Donc, obligé, ça va être la smart. Ça laisse qui? Donc, je disais que le commissaire n'est pas allé, le commissaire Zogo n'est pas allé de main morte avec la battante. Hein? Hey! Il a mis sa bim! Massa! Même les secrets, il n'a pas caché. Ma. Hey! Koho! Dès que tu bois, tu enlèves les habits. Dès que tu bois, tu enlèves les habits. Pourquoi tu veux m'empêcher d'aimer ma femme? J'aime Madame Zogo. Je dois aimer ma femme, Madame Zogo. Je dois valoriser ma femme, Madame Zogo. Pourquoi chaque fois que je parle de Madame Zogo, toi, tu viens toujours me dire qu'on ne parle pas de ta femme? Hein? Soit tu m'aimes,
soit tu aimes ma femme. Hey, le commissaire. Non, le commissaire allait loin. Mais ça, Adam, on peut clasher quelqu'un comme ça là. Adama, on peut clasher quelqu'un comme ça là. Hey! J'ai regardé le clash. J'ai seulement dit que maman, que tu as enlevé tes habits. Tu as soulevé tes habits devant nous. Un de toi, tu soulevais les habits, tu étais déjà nu. Devant moi, ma femme, devant ma femme et moi, nous étions là, nous étions stupéfaits. On s'est demandé que, mais c'est comment? Un de toi, tu as enlevé les habits. Tu es une ivrogne, tu es une soulade. Tu es... Bah ça! Hey, Adama. Adama, il y a des clashs ici dehors. Ouh, mais oh, wow. On va s'en sortir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je me demande, je m'interroge. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, un petit tour aussi du côté d'Oshiga là-bas. Oui, oui, en pleurant en plus. Un petit tour du côté d'Oshiga là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec, avec ces photos. Moi, depuis que je suis Oshiga sur les réseaux, elle avait toujours dit qu'elle est dans le site de où c'est OnlyFans que vous appelez, où c'est OnlyFace ou Faso, où c'est quoi, ou je ne sais même pas comment s'appelle le site là. Bref, le site là est dans ses liens, en fait. Donc, elle avait déjà dit qu'elle est dans ces sites là. Mais apparemment, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui sont partis ou c'est prendre ces photos dans le site où ils ont partagé comment, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et après, je ne sais pas pourquoi la basse est tombée sur elle et pourquoi la basse a commencé à distribuer ses photos. Bref, je n'ai pas bien suivi ça. Selon ce qu'elle expliquait, j'étais dans son direct hier, mais je n'ai pas tout suivi. Mais bon, ça ne peut être que de la lâcheté. Moi, je pense que Oshiga a du répondant, mais moi, je pense que si quelqu'un n'a pas des arguments contre Oshiga et que son seul argument, c'est d'aller chez OnlyFans et de prendre ses photos qu'elle a mis à disposition là-bas et des photos qu'elle a mis à disposition de façon payante. Si quelqu'un ne peut rien dire à Oshiga, que la personne ferme sa gueule. Parce que si ton seul argument, ta seule force, ta seule puissance, c'est de dire à Oshiga de courir sur OnlyFans, aller t'inscrire, à prendre les photos d'Oshiga, télécharger ses photos d'Oshiga et venir distribuer ça aux gens. Ça veut dire que c'est la lâcheté. Ça veut dire que d'argument en argument, tu ne peux pas Oshiga. Tu ne peux pas Oshiga. Quand vous ne pouvez pas argumenter, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'argument contre Oshiga, je pense qu'il faut la boucler et rester tranquille. C'est d'une bassesse inouïe. Ça veut dire que c'est d'une bassesse inouïe. Si tu dis que tu es détracteur d'Oshiga, d'ailleurs, tu vas d'abord être détracteur d'Oshiga. Qu'est-ce que t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait quoi? On voit des gens qui se lèvent le matin, je déteste Oshiga. Pourquoi? Elle est sur son 53 cm. Qu'elle a assumé dès le début de leur histoire, elle a assumé que moi, ce n'est pas le buzz. Oshiga avait toujours assumé ça dès le premier jour. Elle n'a pas fait le nyanga. Elle n'a pas fait la qualité que non, hein. Non, Amé, c'est juste mon ami. Non, on est amis. Non, c'est juste un buzz. Elle n'a pas tourné autour. Je ne vois pas pourquoi une relation qu'elle a assumée, dès le départ, elle a assumé que je monte sur mes 53 cm. Je dévore ça et j'assume. Je ne vois pas en quoi les gens vont se dire que non, ils ont un problème avec Oshiga et tout ça. Tant qu'elle assume et tant qu'elle profite. Il y a des gens qui sont en train de lui dire non, quand Amé va te laisser. Mais elle a une très belle réponse qu'elle donne souvent aux gens. Mais en attendant qu'il la laisse, ça la gêne en quoi? Ça empêche quoi qu'elle profite maintenant? Pourquoi elle ne va pas vivre l'instant présent? Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre le futur? C'est-à-dire que Amé va la laisser demain. Pourquoi vous voulez qu'elle cherche le demain? Pourquoi vous voulez qu'elle se focalise sur le demain? Que Amé va la laisser alors qu'elle doit vivre son instant présent là. Vous êtes déjà à quand il va te laisser demain? Quand tu vas venir pleurer demain? Mais elle viendra pleurer demain. Mais en attendant, laissez-la assumer son 53 cm. Laissez-la dévorer ce qu'il y a à dévorer dessus.
jusqu'à présent, jusque là, je ne vois pas trop. Je ne vois pas tout. Quelqu'un se lève, il est détracteur d'Oshiga. Et la seule arme que les gens ont contre Oshiga, c'est dire que voilà tes photos, je m'en vais sur OnlyFans, je m'allais m'inscrire, c'est sur OnlyFans, non, ou c'est Only quoi, ou. Oh, je m'avais m'inscrit, je m'avais prendre tes photos là-bas et je m'avais les distribuer. La seule arme que vous avez contre Oshiga, c'est dit que vous distribuez sa nudité ou je sais pas, ses photos érotiques ou bien c'est quoi là qu'elle a fait là-bas. C'est pour ça que moi j'ai ma main quand même. Parce que le genre d'Amer quand même, c'est un touche à tout, hein. Il se bat sur tous les terrains. Donc quand Amer quand même va aller s'inscrire sur OnlyFans là, où c'est OnlyFans que vous appelez là, avec Oshiga, ce que vous avez vu là, ils vont faire ça pro max. Et Amer quand même a même raison de lui dire qu'augmente le prix de l'abonnement. Si je ne connais pas le site internet là, mais si elle, on a la possibilité d'augmenter le prix de l'abonnement, oui. Oui, c'est les chercheurs d'argent. Vous faites comme si vous n'êtes pas intéressé, mais vous êtes intéressé. Ça veut dire que si aujourd'hui ils font des photos érotiques, qui déposent là-bas chez vous, c'est OnlyFans, nous c'est OnlyFans. Les deux là qui déposent là-bas, vous allez vouloir aller regarder là-bas. Vous allez vouloir aller, mais vous n'aimez pas, vous vous laissez pas. Vous dites que vous n'aimez pas. Vous dites que c'est un couple qui vous exaspère. Vous dites que c'est un couple qui vous énerve. Mais vous serez les premiers. Observez bien. Les premiers à dire que nous on n'aime pas Oshiga sont les premiers à être heureux de partager leur nudité. Quelle bassesse! Tu vois quelqu'un qui dit que j'ai la nudité. Comment quelqu'un peut être réjoui? Comment quelqu'un peut être heureux? J'ai la nudité d'Oshiga. J'ai la nudité d'Oshiga. Je partage. Mais quelle bassesse! Quelle lâcheté! Oshiga est qui? Jusqu'à vous dépasse en argument. Tu n'as pas d'argument envers Oshiga. Tu n'as pas d'argument. Mais tu peux te battre au point où... C'est-à-dire que la petite fille vous a tapé aller-retour final à un niveau où elle vous dit que voilà le site internet là où mes photos sont. Donc elle vous a tapé aller-retour final à un point où votre seule limite, votre seuil, votre niveau... C'est d'aller dire que voici ta nudité. Ouh, regardez comment les gens se heureusent. Ouais, donne-moi là. Ouais, donne-moi là la nudité de Oshiga. Donne-moi là. Mon imbon s'est ouvert. Mon imbon s'est écarté. Donne-moi là. Pardon, donne-moi la nudité de Oshiga. Je dis que Adama, c'est la nudité de Oshiga qu'on recherche. Regardez que quelqu'un dit que j'ai les photos. Massa. Donne-moi là. Quelqu'un pleure. Vous voyez les gens en train de crier, donne-moi alors, donne-moi la nudité d'Oshiga. La nudité d'Oshiga. Massa. Hey. Non. Ça, je ne sais pas comment, en commentaire, quelqu'un peut laisser son commentaire que ouais, donne-moi alors. S'il te plaît, donne-moi la nudité d'Oshiga. Tu prends le commentaire, tu tapes que donne-moi la nudité d'Oshiga. Et tu tapes ça en commentaire et tu es content. Moi, je ne sais pas. Même celui qui n'a pas écrit que voici la nudité de Oshiga, je partage. Je ne sais pas comment la personne se sent après. Vous faites même ça comment? Oshiga, c'est qui? Oshiga vous dépasse en argument. Mais allez vous coucher. Si ton site est que c'est ta seule arme contre Oshiga, c'est d'aller t'inscrire là où elle t'a dit que ses photos sont. C'est d'aller t'inscrire là-bas. Prendre les photos, si c'est tout ce que tu as comme âme, mais ça veut dire que tu es... Ça veut dire que tu ne peux pas la fille là. Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'argument. Boucle-la, ferme-la. Comment quelqu'un peut être heureux de dire que oui, j'ai gagné Oshiga. Tu l'as gagné, que tu combattais quoi avec elle? Tu combattais quoi avec Oshiga? Vous étiez sur quel combat? Tu es son détracteur, ok. Tu n'aimes pas sa musique, ok. Tu n'aimes pas son 53 cm qu'elle est en train de manger, ok. Tu combats quoi sur elle? Tu la regardes. Pourquoi vous ne méprisez pas? Pourquoi vous ne la snobez pas? Elle ne te plaît pas, tu la snobes. Sa série qu'elle fait avec son 53 cm, ça ne te plaît pas, tu snobes les bêtises. Non mais ça prouve, oui, justement, comment tu t'appelles? Cindy Fox. Ça prouve à quel point
Ça prouve à quel point elle n'a pas de... Ça prouve ça, ses limites, en fait. Ça prouve ses limites. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'argument. Argument contre argument. Si tu lui demandes au Chigala pourquoi tu la détestes, elle ne peut pas te dire. C'est de la haine gratuite. Et comment vous ne voyez, vous ne voulez pas que des petites filles comme Oshiga, comme ça, là, vous dépassent. Elles vous dépassent à l'aller-retour final. Quand vous parlez même de physique. Non, mais attends. Observez bien le physique de celle qui dit que je distribue. Celle qui dit que je distribue les photos d'Oshiga. Observez son physique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, blague à part, observez son physique. Sylvie Fox, elle-même son physique est comment? Elle-même son physique est comment? Oshiga hier en direct était en soutien-gorge. Elle était en soutien-gorge. Maman a deux enfants. En soutien-gorge hier en direct. Toi, tu viens te vanter devant les gens comme que j'ai distribué sa nudité. J'ai ses nudes. J'ai son zout. J'ai son ceci, cela. Mais attends. Attends. Je ne sais pas quel genre de photo elle a fait parce que je n'ai pas vu. Mais rien. Elle a déjà le physique pour être. Pour, je ne sais pas. Elle a le physique pour. Elle a un physique ne serait-ce qu'agréable à regarder. Elle a un physique agréable à regarder. Tu as les brûlés partout. Ton visage est moche. Tu es laide. Mais c'est toi la première avec toute ton aigreur qui va avec. Être heureuse de distribuer le zout d'Oshiga partout. J'ai le zout d'Oshiga. Regardez-moi la gloire des gens. Regardez-moi la célébrité. Regardez-moi ce que quelqu'un célèbre. Quelqu'un célèbre d'avoir le zout d'Oshiga. Vous voyez à quel point les... Je ne sais pas si vous comprenez ça, vous voyez ça comme moi. Hein? À quel point les gens sont bas et sont minables en fait. C'est d'une bassesse inouïe. Et avec toutes celles qui partent demander le zout d'Oshiga, c'est une bassesse inouïe. Une gamine comme ça, comme une femme comme ça, comme Oshiga, vous a dépassé, vous affichez, c'est-à-dire que vous affichez votre petitesse d'esprit. Vous affichez votre bassesse. Coucou, mon milliardaire entier, zéro paix à Facebook, c'est comment non le milliardaire, m'aide. Mon milliardaire, c'est comment non? Non, mais vous affichez votre bassesse. Vous affichez votre petitesse d'esprit. Et ce qui est même grave, c'est qu'on aurait souhaité que la personne qui dit même que je distribue le zout d'Oshiga, vous allez voir, je distribue son... Mais on aurait espéré que la personne ait même un physique agréable à regarder. Toi-même, ton physique est laid, est moche. Tu es moche. Oshiga te dépasse, aller-retour final. Même quand Oshiga te dépasse, tu es obligé de venir prouver, de venir afficher ta bassesse, de venir afficher ton, je sais même pas, ta petitesse d'esprit, à ce point. Moi, si j'étais détracteur d'Oshiga, j'allais tout faire pour ne pas utiliser ce genre d'arme. Alors que si je suis détracteur, si je combats Oshiga, je vais tout faire. Pour ne pas avoir les arguments pour taper sur le physique. Vous dites que les poils, la poilue, la poilue, mais fichez la paix. Ce n'est pas un argument. Puisque la fille assume ses poils. Elle assume ses poils. Elle est montée. Dès que tu dis qu'Oshiga, bonjour, prim, elle a monté ses poils. Dès que tu dis qu'Oshiga, prim, elle a soulevé ses ailes. Mais ça là, tu vas utiliser. Mais les détracteurs d'Oshiga, vous êtes comment même? Comment vous êtes faible, hein? Quelqu'un te dit que Oshiga, bonjour, plim, elle a monté ses aisselles, elle a soulevé. Elle soulève sa vie. Elle a soulevé pour montrer que non, elle garde ses poils. Mais vous allez utiliser les arguments comme ça là pour la démonter. Ça sert à quoi? Tu dis que la poilue, mais la poilue, oui, elle monte ses poils. Elle les monte. C'est pas un argument pour démonter Oshiga, ça. La poilue dit que Oshiga est poilue n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Ça fait quoi à la fille là? Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Que vous lui dites qu'elle est poilue? Ça, vous n'avez pas d'argument contre Oshiga. Allez vous coucher, dis donc. Moi, même si j'étais détracteur d'Oshiga, si je n'ai rien contre la fille là, un, je ne parle pas de son physique. Deux, je ne vais pas me coucher. Je la bloque. Tu bloques Oshiga. Si tu n'es pas, tu la regardes pas. Quand tu n'as pas d'argument contre elle, tu la bloques, dis donc. Ah, c'est les gens. Que j'ai ta nudité. Tu vas voir Oshiga. Comme moi, une vieille maman comme moi. Une vieille maman comme moi. Qu'on m'attrape sur les réseaux sociaux en train de me réjouir. Mais attendez. Attendez.
vous hypothéquez votre, même l'avenir de vos enfants, que ma fille m'attrape sur les réseaux sociaux en train d'être heureuse. J'ai la réalité d'Oshiga. Maman. Hey. Non, moi je vous dis, hein, je ne sais pas comment vous avez, comment vous faites avec vos filles. Et c'est des filles qui vont vous prétendre qu'elles ont, elles ont accouché des filles. Hein. C'est des filles qui vont prétendre que oui, nous aussi on a accouché. Asia, Oshika te dépasse en argument. Elle te dépasse à l'aller-retour final. La seule chose que tu peux lui dire, c'est que go ho, j'ai la... le direct va se couper, hein, parce que j'entre dans le tunnel. Le direct va se couper parce que je suis dans le tunnel là. Donc, ça va se couper d'une minute à l'autre. Parce que là, j'entre dans le tunnel. Et généralement, dans le tunnel, ici, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réseau. Ça coupe très souvent. Bon, je vous fais un bisou. Gros bisou à vous. Parce que je suis dans le tunnel. Donc,